mettre son live. Il a Il n'a fait qu'à un venir faire son live. Il dit fait live aujourd'hui. De 21h, il est live de passé à quoi? 21h, il est 42 maintenant. Ses fesses remplies de poils là, il va faire Il quel faut live? faire Il faut dire ses fesses qui portent son cuir qui porte couche là. C'est un fesses maudit. remplies de poils là, il va dire quoi à qui? Fait Un le live porteur de de lui. c'est un maudit. Les enfants là, il prend les enfants là, il fait obliger les enfants à laver son cuir. Hein? Aurélie même là, elle-même est dans tout ce qui est faux. Elle-même là, tellement elle est dans tout ce qui est faux. C'est-à-dire que ce coup d'État, son mari n'a pas encore fait. Sinon, moi, il ne voit pas quelle bêtise elle n'a pas fait. Ce coup d'État, son mari n'a pas encore fait. Madala, mais son nom de Tito, Madala, son nom de Tito, c'est quoi? Il y a le tout capté là-bas tout de suite là. Son nom de Tito, mais c'est quoi? Moi, pas Cette de Madala. Aurélie. J'ai dit Aurélie, Aurélie. Non, Elle dis à s'appelle Madala qu'elle est Mado. citée. Son nom de Tito, c'est Mado. Aurélie, ce coup d'État n'a pas encore fait. Peut-être que même là, C'est elle va Mado lutter, là, elle mais va c'est son lutter nom de pour Tito voir, qui mais cherche à là-bas. nous. Son nom de Tito, Mais mais c'est c'est quoi? quoi? Qui fait C'est lutter? Mado C'est là. coup d'État n'a pas encore fait. Peut-être que C'est même Mado, là, c'est. Tiens. Oh, c'est pas vrai. Tel faux truc, Aurélie. Tel faux truc, Aurélie. Peut-être qu'elle va faire un coup d'État à dos. Peut-être que c'est coup d'État seulement qui reste n'a pas encore fait. Sinon, moi, il ne voit pas quel faux truc qu'elle n'a pas encore fait. Histoire de roubier, elle est dedans. Histoire de l'élire, elle est dedans. Histoire d'agression, elle est dedans. Histoire de bizarre, elle est dedans. Histoire de, je sais pas, de tout ce qui est bête, bête, qui est bizarre, elle est dedans. Ah, oh, vraiment. Madou, elle a traité qui de bête là-bas? Faut les laisser. Quand on va les bloquer, ils vont dire qu'on est méchant. Jean, moi, il a coupé mon live pour aller répondre à Mado. Dites rien. Vous dites rien. Madou. Madou qui se force à parler français là, d'après les Chocobi. Elle là, nous on sait qu'elle va la brancher bientôt. Vous, les abonnés, vont là. La personne qui vient raconter des balivernes, que ce soit disant Mado en train de cracher son venin là-bas, il va vous bloquer jusque dans votre âme. Non Vous mais, avez compris, non? non mais les gens ils cherchent et ils veulent brer. C'est-à-dire qu'ils veulent l'affrontement, les clash là, ils aiment ça, peut-être tu connais pas les La gars. lourde langue de varon de Komodo là. On n'a qu'à aller chercher à ça là-bas. Moi je parle pas les psychopathes, moi. Ils cherchent affrontement. Tu vas voir d'autres voix qui te disent, voilà, là-bas pour dire que Mado et Nagla t'a lavé. Ça a chopé son cœur. Elle était sur mon live. Elle Elle est sur notre compte là. dit, Jusqu'à là. Nagla, si c'est bouge d'abonner, vous voulez derrière, la toile là. Elle est d'abord. J'étais en live. Mon live. J'étais en live. Il y a un abonné qui me dit, toi, Vous voulez tu as que insulté Aya, non? Je suis allé dire à Aya que tu l'insultes. J'ai dit, mais c'est quoi? Un commentaire. Deuxième commentaire. Aya dit qu'elle va te trouver ici. Aïe. Mon sujet, même, c'était même pas Aya. Je vois 3, 4, 5 commentaires différents. J'ai coupé mon live, je mets chez Aya. Je fais demande, je monte. Aya, elle parle, elle fait son live. Quand elle finit de parler, elle dit, la mère, c'est comment ça va? Je dis, oui, ça va, mais Aya, on dit, j'étais insulté que tu m'attendais ici. Elle dit, qui a dit? Je dis, ah, on dit que moi, je suis en live, on dit que non, Aya dit que c'est ça. Elle dit, moi, il y a un gars qui s'appelle Kouetou de Glagla. On dit, il m'a insulté, il a dit, il s'appelle comment? Kouetou de Glagla. Que lui qui m'a insulté. Donc, c'est lui, j'étais en train d'insulter ici. Il a dit, donc, tu as insulté, t'as dit quoi? Elle dit, il a dit Glagla. Il dit, ouh là là, Aya t'a mélangé tout TikTok. Attends, c'est moi. Il dit les abonnés, si c'est abonné sur ma télé, Ils là, ils vont pouvoir allumer le feu, ils sont assis chez eux derrière la ils sont allés chez Mado. C'est un roubi. Quoi, tu là, c'est un roubi aussi. Et puis? Hier, ils sont allés chez Mado. Quand on a fini Mado à lancer live, et puis nous, on est allés chez Salamandéa. Il y a un qui allait faire faux contre Glagla. Allez, dit, je m'excuse. Je sais lire les commentaires, tout ça. C'est bon, arrêtez de parler maintenant. Glagla s'est excusé. Je dis, oui. On dit, Glagla, tu t'es excusé. Tu as eu peur, tu t'es excusé dans les commentaires. Il dit, moi. Je vois des gens qui écrivent, non, c'est faux profil, c'est faux profil. Je dis, en tout cas, ressaisissez-vous. Oh, les gens là. Il dit souvent, tu es concentré, puis il y en a qui te dit, non, lui là, tu n'étais pas là dessus. Non, mais il a l'enfer. Il a lancé Ryan. Mon deuxième téléphone, je suis dehors, je n'ai pas Ryan a la lancé connexion. Il faut que tu te promènes maintenant, Blanche. Tu dis quoi? Tu te promènes maintenant. Je t'ai dit, il est allé chercher Gaï, il cherche Bangala comme ça. Il est chez Bangala, c'est ma faute. On l'a il tout à On dit quoi? Il est chez Bangala. Bangala. La Russo, qui peut nous mettre le live? Qui peut nous mettre le live avec le deuxième top? Viens, DTM, viens. DTM, pardon, il faut monter.
C'est ta demande quoi. Je sais que tu es en privé. Glagla va te prendre. Glagla, mets-moi un modérateur. Bon, bonsoir. Il n'a pas commencé à parler, il a juste mis la musique là-bas. Ok, merci Didier. Maintenant, il t'a envoyé un petit baron quand même. Merci beaucoup. D'accord, non, mon attendez, attendez. Donc, moi, il parle depuis là. Ça veut dire que Sago Young et lui, ils ont la même manière de faire les lives, quoi. Ils commencent par la musique. Quoi? On peut se mélanger Dagla. Comme ça. D'accord, ouais, d'accord. Oui. Mets-moi mon modérateur, s'il te plaît. Et t'es mis. Ah ouais, j'ai vu, merci. Ah ouais, ça va se passer. Rien en live. Lui-même, son live va faire là. C'est celle-là, il peut prendre là au Mado. C'est Mado qui va prendre en live. Sinon, nous. Mais Mado en live. Ah, Mado en live, elle va passer son truc. Si son... Tata Gaga, je vais me muter, qu'il va commencer à parler, puis je vais me démuter. Ah, pas de problème. Ok. Merci King Black. Vous voulez le nom de son compte, pourquoi? On est ici pour écouter son live. Allez-y, va vous caresser les fesses, ceux qui demandent le nom de son compte là. Après, c'est pour vous abonner. Ça va? Tonton, ils ont parlé mal de toi. Tonton, est-ce que c'est vrai? Tonton là. On dit quelqu'un est trop, mais tu vois les gens sont en train de s'abonner. Le signalement de son compte, allez signaler le compte. Allez le signaler. Valéra, va le signaler avant de venir me dire qu'il est en live. Là, tu dis, ils vont le signaler. Et même moi, j'ai déjà s'abonner, même causer à lui, tonton. Tonton, ce qu'ils ont dit, si tu l'as, c'est vrai. Est-ce que tonton, c'est vrai, ce qui t'a dit? Là, il avait été attaqué, raison pour laquelle j'ai dû couper subitement. Donc, je vous invite à tapoter les cœurs pour que je puisse commencer. On n'a pas attaqué. On n'a rien vu d'un coco, c'est attaqué. C'est la Russie Poutine, mon quoi. Il va parler de quoi même ce type là? il a mis la musique, il dit non qu'à tapoter d'abord. Il est rentré dans. Et puis si vous avez remarqué, tous ceux qui ont eu toujours problème sur la toile ici, pour finir, ils deviennent tout aucun. Hein. Merci pour. Mais ce qu'on est. C'est quoi? Je ne pas être TikToker. J'ai écrit son nom. Allez signaler son compte. Allez le signaler à fond même. J'ai écrit. Je ne sais pas comment on fait pour. Merci mon bébé Black Angel. Toi, Nelly là. Après là, n'allez pas dire tonton. C'est lié, mon amour. Lui, on dit, il n'aime pas femme. Donc, si vous voulez l'abonner, vous aussi, vous ne vous abonnez pas. Lui là, il n'aime pas femme. Il ne va même pas vous calculer. Peut-être qu'il va vous mettre dans un moment de busy. C'est tout. Sinon, ceux qui s'abonnent, là, c'est par rapport à ça. J'arrive pas à épingler. Mais lisez dans les commentaires. Le nom est écrit dans les commentaires. Au Siki qui d'Afrique. Au Sisi qui d'Afrique. Au Sisi qui d'Afrique. Au non. Au Kosisi. Au Kosisi. Il a mal écrit. Allez le signaler au maximum. Allez le signaler au Kosisi. Le sale Woubi là, le sale Woubi, ce chien là, il a lancé son live. Hein. Allez le signaler. Moi, mettez la main là-bas. Il a signalé le live de papa de Woubi là. Ce chien là, il a lancé son live là-bas. Il a lancé son live. C'est que chez Mado là-bas aussi. Hein. Il m'a bloqué. Donc, allons-y signaler son live. Il a lancé son live. Allons signaler son live. Ce chien là, allons-y signaler son live. Blagla, il revient. Ok. Signalez-le au maximum. Chérie, il va rien dire pour qu'on l'écoute. Il va insulter DJ, bébé DJ. Oko Sisi d'Afrique. Dans les commentaires, on dit tonton Bogda.
n'avez pas vu femme en possession de cette sculpture, n'est-ce pas? Il n'y a donc aucune menace qui pèse sur vous. Mais continuez à le suivre. Il pourrait demander une autre copie à cette autre. Là, son live là qu'elle a, il n'a rien à dire. La musique seulement. Mais on attend. Dans la diffusion. Eh bien, je connais les propriétaires de cette. Ya, le live sera vu ici, tout le monde est en train de monter. C'est tout bien quand même des grands films, mais j'ai envie de lire. Tu vas être à pas ta femme. C'est toi, hein, miracle. Ya, bruit, attends, j'ai mis la télé. On ne va pas mettre trop de temps. Hier, il y a eu un live me concernant. Ces personnes-là n'ont pas voulu donner mon nom, mais il y a eu un live me concernant et tout le monde sait qu'il s'agissait de moi parce que jusqu'à preuve du contraire, quand on parle de Booba, ça nous concerne. Je ne vais pas cacher les noms. Bébé DJ, c'est à toi que je m'adresse. Il y a beaucoup de. S'il te plaît. Bébé DJ, parce que. Quoi, est-ce que tu l'as fait? Il y a trop de bruit. Il y a un son. Il y a trop de bruit. Il faut éteindre la télé, madame. C'est chez lui là-bas. Hein. C'est pas chez moi. C'est chez lui. Invite tout le monde à l'appeler Doumbia Chaka. C'est son nom qui est Doumbia Chaka. Il s'appelle Doumbia Chaka à l'état civil. Attends, on coupe le son. On a le son ici, mets la vidéo, mais on coupe le son. Ok. Et que j'ai confisqué ton petit frère. Franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta tête. Je ne sais pas ce qui t'arrive. Mais toi et moi, jusqu'à présent, nous avons de très bons rapports. Il n'y a pas de distance entre toi et moi. Donc, je n'ai vraiment pas compris ce live, mais j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Mais ce que je tiens à te dire, c'est que les gens qui me donnaient des conseils avaient raison. Arafat, paix à son âme, Yorobo, avait raison. Quand il disait que tu es maudit, il avait raison. Et j'assume ce que je dis. Il avait raison. Je vais te rappeler dans quelles conditions toi et moi nous sommes connus jusqu'au jour d'aujourd'hui. Hier, tu es venu jouer avec l'émotion des gens. Mais tu es un grand menteur. Tu sais, toutes ces histoires, jusqu'à ce que mon nom sorte sur la toile, c'est avec toi que je vivais. C'est avec toi que je vivais et jusqu'à aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe de toi. Jusqu'à aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe de toi, pas quelqu'un d'autre. Mais ce que tu veux pas qu'on dise, ou bien ce que tu veux qu'on dise, je vais dire un peu ce soir, en espérant que tu me recouvres pour parler. En espérant que tu remontes en live pour parler. Tu penses que hier tu as fait fort? Non. Moi actuellement je suis venu en plantation. Je suis venu sur mon champ. Je suis venu travailler. Travail je fais et puis tu bouffes l'argent là. C'est ici que je suis. Jusqu'à aujourd'hui, c'est moi je m'occupe de toi. C'est moi je m'occupe de tes frères. J'ai les preuves ici. Et je ne sais pas ce qui te prend. Tu viens sur la toile m'accuser de certaines choses. Tu m'accuses de certaines choses. Mais je vais prouver. Parce que je me suis trop tué. Je me suis trop tué pour te protéger. Tu as trop fait. Là, tu as dépassé. Tu as trop fait. Je me suis trop tué. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées.
Lorsque cette histoire a pété, que j'ai vu ma photo sur les réseaux, c'est à toi que j'ai pensé directement. Parce que c'est avec toi que je vis. C'est avec toi que je fais tout. Toutes les informations, mon Facebook, c'est à toi que j'ai pensé. Mais j'ai une conversation ici avec toi. Quelques jours avant que tu fasses ta bêtise d'hier, j'ai une conversation ici que je vais faire écouter à tout le monde. Pardon, on a déjà écouté. Mais vraiment, je vous dis. Lorsque toi et moi nous sommes. Je me dis. Bouba était encore tout petit. Je t'aime. Tu enregistres ou quoi? Lorsque je l'ai récupéré. Comment? Tu enregistres? Non, non, j'enregistre pas. Voilà ton frère Ibrahim. Ils étaient encore tout petits. Alors, je suis allé par hasard dans un bar à Yopougon. Et Siaka est venu prester. C'est comme ça que dans toute la foule, son petit frère Bouba, j'étais assis dans le fond de la salle. Son petit frère Bouba a traversé tout le monde. Il est venu attraper ma main. Il m'a envoyé sur la piste de danse pour que je puisse réagir, comme vous le savez. C'est après ça qu'on a échangé les contacts et on ne s'est plus jamais contacté. Tu le sais. J'étais à... Je vais citer tous les noms, ne t'en fais pas. Je ne vais même pas cacher un nom. J'étais à Gagnoua quand tu m'as appelé. Tu m'as dit, ah, les huissiers m'ont chassé de chez moi. Tu habitais à la Riviera 2. Les huissiers m'ont chassé, je n'ai plus de toi, je ne sais pas où aller. Je n'avais pas assez d'argent, mais j'ai contribué à hauteur de 100 000 francs pour que tu puisses compléter à ce que tu allais pouvoir trouver. Cette maison, excusez-moi madame pour votre nom que je vais citer, mais tu m'avais informé qu'à la 2, c'était Série Dorcas, la Miss Côte d'Ivoire, qui t'aimait comme un fils, qui t'avait donné cette caution-là. Et tu as pris cette maison. Malheureusement, tu ne pouvais pas payer, ils t'ont chassé. Quand je t'ai donné la caution, tu allais habiter à Angré, dans une petite chambre, pratiquement dans une cour commune. Une fois quand je suis rentré à Abidjan, ton danseur Sandé, qui avait aussi pris mon contact ce jour-là, m'a appelé par hasard, je lui ai dit, je suis à Abidjan. Ça, des années après. Et lui et moi, on s'est croisés et il m'a dit, vraiment, c'est pas bon sur bébé DJ. Il m'a tout dit, sur Tiaka. Ce jour-là, quand je suis allé le déposer, je t'ai vu. Tu m'as expliqué tous tes problèmes là où tu m'as vu. La maison là-bas aussi que tu avais prise, tu ne la payais pas. Ça coûtait même pas cher, mais tu ne payais pas. La dame, si elle est encore vivante, si elle est en vie, que ses enfants regardent ce live, qu'ils savent que tu as vécu chez eux, à Angré, ils vont savoir que j'ai dit la vérité. Tellement tu ne payais pas, parce que vous avez une douche commune. Tu avais la même douche que tous les autres locataires. Vous aviez une douche. Elle a mis cadenas sur la douche, elle a donné la clé à tout le monde, sauf toi. Et ceux avec qui tu vivais. Tu m'as dit, tu étais obligé de grimper la porte parce que j'avais un espace entre le plafond et la porte pour pouvoir aller te laver quand elle partait dormir vers 2h du matin. Je t'ai dit, c'est pas de bonnes conditions. C'est ce jour-là, mon malheur, je t'ai pris. C'est le jour-là où tous mes malheurs ont commencé dans ma vie. Je t'ai pris. Je t'ai envoyé chez moi. J'étais à la Palmeraie vers Agitel, formation. C'est là où on a commencé à habiter ensemble. Le jour où mon malheur a commencé, là, c'est là. Tu me parles de tes petits frères, de quoi que ce soit.
Tes frères ont commencé à venir chez moi un à un. Et mon plus grand défaut, c'est de ne savoir pas dire. Je ne sais pas dire non. Non, pas ça. On s'est tous retrouvés chez moi. Sauf ta petite sœur en ce temps. Elle était enceinte. Je te parle à toi et je sais que tu suis. Et tout ce que je vais dire ce soir, tu ne pourras pas contredire. Après ça, j'ai déménagé au nouveau CHU. J'ai pris tout ton bataillon, on est parti. Ta soeur était enceinte, elle devait accoucher. Toi qui parles de famille, ma famille, mes oncles veulent s'occuper. Ta soeur devait accoucher à l'hôpital de Kumasi. C'est moi, Ryan, qui ai joué le rôle de papa. Tes tantes étaient assises là-bas, c'est moi que tu as appelé pour dire Ryan, ma soeur doit accoucher, il y a les ordonnances, il faut venir. J'ai personne, c'est toi qui es notre papa aujourd'hui. Et puis je suis venu. Ordonnance, l'ordonnance coûtait 6 000 et quelques, pas plus. Mais personne parmi tes oncles, tu chantes leur nom aujourd'hui. Personne n'était prêt à sortir 6 000 francs. Ta soeur donnait la vie pour la première fois. C'est moi, je me tape la poitrine. Maman, j'ai attrapé sa main, je dis maman, faut pas paniquer, on est allé au marché. J'ai payé le berceau, j'ai tout payé. Quand ton père vivait, tu vivais dans une maison avec une de tes cousines. Quand il est décédé, vous êtes partis à la deux ensemble. Tu as enceinté ta cousine? Moi, je ne savais pas. C'est quand elle a accouché, on était assis dans un maquis, tu m'as informé. Bébé, Siaka, tu ne voulais pas accepter l'enfant. L'enfant, tu dis dans les lives que je voulais sacrifier. Tu ne voulais pas accepter l'enfant. C'est moi qui ai attrapé ta main pour qu'on aille dans la famille de la fille. Si la mère de la fille a envie, si, et cette dame dit qu'elle est pasteur, si vraiment elle croit en son Dieu, elle va venir dire que le jeune a dit la vérité. Quand on est allé, j'ai mis 100 000 dans ta main. Je dis, tiens, faut être garçon devant eux. Faut pas aller, puis tu vas dire après, je vais venir. Je t'ai donné les 100 000. Tu as donné à la fille. C'est moi qui ai fait, tu as reconnu ta fille. Tu es monté dans un live. Avant de continuer, tu dis, moi je t'ai demandé de sacrifier ton enfant. Chaka, tu es méchant. Tu es très méchant. Tu es très méchant. Et aujourd'hui, là, je vais tout dire, sans hésiter. Ton bébé avait peur de toi. Moi, le sorcier qui voulait. Les enfants, ils sentent les choses. Les enfants sentent les bonnes personnes. Ils sentent les oubliés aussi. Ta fille et l'enfant de ta soeur ont un mois d'intervalle. Les deux sont nés. Il y a un qui est né le 29 juin, l'autre est né le 29 mai. Moi qui devais sacrifier ton enfant. C'est pas l'enfant là qui est joyeuse sur moi comme ça. C'est pas ta fille qui est là. C'est pas l'enfant de ta soeur qui est sur moi comme ça. C'est pas l'enfant de ta soeur qui est là. Tu es méchant pourquoi? Pourquoi tu es méchant? Pourquoi tu es méchant? L'enfant de ta soeur, c'est l'enfant de bébé DJ. C'est l'enfant de bébé DJ. Parce qu'il dit bébé DJ a fait l'enfant avec sa bouche. C'est comme ça sur moi. C'est pas ta fille. Tu es méchant pourquoi? Moi j'ai pris ton frère, tu le cherches, ta maman me l'a donné. Ta maman et toi êtes venus me demander de m'occuper de tes frères parce que vous n'avez personne. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais mentionné tes oncles dans vos vies. Il faut bien m'écouter. Parce qu'il est temps que tu changes. Tu as fait du mal à trop de personnes. Toi, tout le monde a t'a dragué, tu as refusé. Pourtant, tu es le premier passe-partout dans ce monde-là. Hein? La pauvre Miss, quand elle vient de nous raconter. Aujourd'hui, vous n'êtes pas en de bons termes. Tu es venu nous faire croire qu'elle t'a fait des avances, elle est trop âgée, tu as eu peur. Céline Dongas t'a fait des avances. Moi, je dis devant elle aujourd'hui pour qu'elle te pose la question. Céline Dongas t'a fait des avances. Toi, tout le monde sur cette terre-là t'a fait des avances.
Toi, tu voulais pas. Toi, tu es comment? Elle a eu pitié de toi, elle t'a donné potion. Le jour où elle s'est gâtée, tu l'as trouvée dans un concert. Elle te souriait à distance. Tu n'as pas voulu la saluer parce que tu te sentais trop star. C'est comme ça que c'est gâté. Mais je vais citer le nom de tous ceux que tu dis qui t'ont fait des avances avant d'arriver sur moi. Tu es méchant. Tu es méchant, garçon. Tu m'as montré aujourd'hui que c'est toi qui étais derrière toute cette manigance. Toi et moi, on a communiqué, ça fait même pas 5 ou 6 jours. Et je vais faire écouter notre conversation aux gens. J'ai dit hier, non, hier avant-hier. C'est quelqu'un qui cherche son petit frère. À quelqu'un. Vrai. Avant de continuer, lorsque les histoires ont commencé, le VDJ m'a fait une note vocale. Lorsque ma photo est venue sur les différents panels, et Siaka, parce que nos histoires de le VDJ, là. Je ne sais pas si vous allez pouvoir entendre. Quand tu dis bloqué, il faut me montrer. Tu es seul le live, tu trembles. Tu parles de bon vocal. Elle dit moi. Elle dit que non, il ne faut pas arriver. Les gens qui sont en commentaire, les bruits là, c'est pas chez moi, c'est chez lui là-bas. Les bruits, c'est les gris. Entendu. Est-ce que vous avez entendu? Quand j'ai mis ma photo sur les réseaux, voilà. J'ai entendu qu'à le son. Voilà. Quand tu dis que tu as trouvé la photo, montrer la photo. Tu dis, je passe sur les réseaux sociaux. Tu m'as toujours soutenu dans nos moments difficiles. Donc, je voulais que tu saches que tu peux compter sur moi. Voilà. Même si j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai pas d'argent, tu peux compter sur moi, quoi. Voilà. Je te soutiens, je suis avec toi. Salut. Tu m'as fait une note vocale quand ils ont mis ma photo sur les réseaux pour dire Ryan, je suis avec toi, je te soutiens. Même si j'ai pas beaucoup d'argent, je suis avec toi, je te soutiens. La date, s'il te plaît, Ryan. La date, là, c'est quand ma photo est sortie sur les réseaux. Les gens disent que ce n'est pas chez lui, hein. Toi, tu m'as c'est chez lui là-bas. Ryan, c'est le bruit des grillons là. C'est chez lui. C'est chez lui. C'est pour ça que quand elle a mis la vidéo là, ça faisait le bruit là. Ça, non, c'est petit. Je viens. Mais qui montre les tatouages des notes vocales? C'est quoi? Donc, je continue. Je t'ai poussé à accepter ton enfant. Je reviens. On est allé vivre au nouveau jeu. Tu as ta vie, je ne me mêle pas de ta vie. C'est lourd à dire, mais je vais dire. Étant là-bas, parce qu'à un moment donné, tu sais que tu as 5 enfants. Donc tu es un homme, tu es un responsable. Je ne vais pas prendre la charge d'un homme qui a 5 enfants. Je t'ai dit ce que je peux faire, je vais t'aider. Tu vas aller prendre une maison à Soleil 3. Bon, c'était pas Soleil 3, mais tu vas aller prendre une maison. J'ai pris la maison. La maison, tu l'as trouvée à Soleil 3. Tu as muté. Dis à mon tonton pas, hein. T'envoyer pour que tu ailles voir un psychologue, bah, tu en as besoin. Je pense qu'il y a un truc que tu as fait dans ta vie, comme tu t'es pas encore pardonné. Toi, tu sais, je sais. Tu es allé, le propriétaire de la maison, une dame qui est dans la 60aine, c'est elle qui est devenue ta femme. Je t'ai dit, Siaka, ça là, faut pas te mettre dedans. Elle vivait avec son mari. Pourquoi tu es allé à Soweto? Nous deux, faut me dire, je veux que tu montes dans live. Tu as commencé à coucher à la femme? Son mari vous a surpris, oui ou non? Bon, la mémé, c'est ta mémé. Toi, c'est ta mémé, c'est notre mémé. Son mari vous a surpris. Tu as fui, tu as pas dit c'est ton nom. Pourquoi tu m'insultes moi?
tout le monde est muté. Vous faites diffamation. Son mari vous a surpris, tu as fui. Le monsieur n'a pas supporté. Les quelques temps qui se sont suivis, le monsieur est décédé. Tu sais pourquoi tu as fui? Pourquoi tu mets sur moi? Pourquoi tu mens? Je t'ai toujours soutenu dans tout. Tu mens pourquoi? Quand le monsieur est décédé, après tu es reparti t'installer chez lui. Tu voulais la voiture de sa femme. Je vais mettre une vidéo. Si les enfants de la femme reconnaissent la voiture de leur maman, parce qu'à un moment, demain, je vais mettre, même tout à l'heure, je vais mettre sur ma page la vidéo, je vais mettre la capture de la plaque d'immatriculation. Tu vas expliquer aux enfants là pourquoi tu voulais la voiture de leur maman. Si une femme de 60 ans, c'est ta camarade, un temps, tu étais sur les réseaux, ma voiture, c'est la voiture de maman des gens, tu voulais. Les preuves sur les pages, donc je vais faire avec mon portable directement. L'intérieur. Voilà. Tu nous sens ton bruit. Là, tu peux nous. C'est la machine. Bon, après, Soko. Qui c'est pas Abidjan ici que tu roulais? Abidjan que tu roulais Range Rover Rouge. C'est la voiture de la vieille. C'est pas pour ça que tu as fui. Pourquoi aujourd'hui, toi et moi, on n'a pas d'histoire et puis tu te lèves pour aller mentir? Les vacances dernières, j'ai fait sortir un son pour ton petit frère. Toi, tu sais que je ne veux plus mettre mon argent sur toi. On m'a déjà dit que tu es maudit et puis tu es maudit. Je ne veux plus mettre mon argent sur toi. Je peux t'aider. Je peux te soutenir. Mais je ne veux plus mettre mon argent sur toi. Booba qui vit avec moi, qui a du talent. L'année dernière, j'ai fait sortir un son pour Booba. Tu as réapparu, tu as commencé à venir à la maison tous les jours. Cette année, on a fait sortir une traîne pour Booba. Tu as apparu en même temps. Moi, je t'empêche pas. Moi, quand tu fais ça, c'est votre vie. Si il réussit, c'est pour vous. Moi, j'ai rien à foutre de ça. De ça. Mais pourquoi tu es jaloux de ton petit frère? Parce que c'est la jalousie. Ce que tu es en train de faire là, c'est la jalousie. Je veux mon petit frère. Ça fait combien d'années que Booba est mort? Je vais mettre une note vocale où toi et moi on est en train de parler de Booba et ta maman. Parce que tu sais qu'on est trop à l'encadrer. À la base, Booba a très peur de toi. C'est pour ça que tu es dedans. On l'encadre ensemble. Pourquoi tu mens aux gens? Qui dit que ta maman nous a confié, elle m'a donné Booba il y a longtemps. Toi, tu t'as le soir pendant que les autres artistes, quand ils se lèvent, ils viennent sur les pages, ils viennent chanter, ils viennent honorer leur mère. Toi, tu viens traîner ta maman dans la boue. Ça, c'est pas toi à la maison. C'est pas toi. On n'est pas tout le temps ensemble, ou bien c'est pas comme ça que tu es. Ça, c'est une ancienne vidéo. Toi et moi, on a des histoires. Pourquoi tu es menteur? Pourquoi tu es menteur? Mais pourquoi tu changes pas? Tu n'as personne, c'est moi que tu as. Mais tu mens pourquoi? Qui t'a dit quoi? Qui t'a mis quoi en tête? C'est moi. Miracle, ouvre ton micro, on va voir la différence. La maison où tu es, on devait te chasser encore, mais tu payes pas loin. Oui. Tu as couru pour venir où? C'est moi, je t'ai donné 500 000, va payer. Je vais faire écouter la note vocale où tu demandais pardon pour que je paye ton loyer. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens, Dieu? Ou bien, quel Dieu? Tu t'appelles pas Dieu, Siaka. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu es menteur? Avant de continuer même là, voilà. Là, c'était le 24 janvier 2024. Malheureusement, je peux pas mettre les trucs sur les pages. Tu sais pas comment faire pour qu'on voit. Là, c'était le 24 janvier. 24 janvier. Je vais voir, je vais faire en sorte qu'on voit ton nom. Si on peut voir ton nom. Dunga Siaka. 24 janvier 2024. Dunga Siaka.
j'ai fini, j'ai envoyé toutes ces preuves-là à des experts pour qu'ils puissent mettre ça sur la page. Parce que comme tu as besoin de... C'est ton ordonnance. Je te sais, menteur. Donc, quand tu m'appelles pour dire que tu es malade, je te crois pas. Je t'ai dit, fais-moi la photo de l'ordonnance. Tu m'as envoyé ton ordonnance, tu m'as envoyé papier d'analyse. Je t'ai fait dépôt. Viens. C'est moi, je m'occupe de toi. Voilà tes doigts ici. Pourquoi tu viens mentir sur moi aussi? C'est bien là. Voilà tes doigts. Mais je vais balancer ça à d'autres pages pour qu'ils puissent mieux relayer. Ouais, tu veux de la publicité. Là encore, là, tu n'as pas donc pour payer tes médicaments. C'est moi qui ai payé, qui paye tes médicaments. Tu étais malade. Tu t'es fait un dépôt. Tu t'es dit, va à l'hôpital. Mais montre-moi d'abord les factures. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 2-3 jours? Et puis toi, tu montes sur les pages pour aller dire des choses. Dernièrement, tu voulais créer un buzz. Tu es venu me voir. Ah, Ryan, c'est comment, viens, je veux créer un buzz. Je veux dire aux gens que, genre, il y a un Moro qui m'a dragué. Et puis, genre, voilà, tu sais, on crée un buzz. Toi et moi, on s'est assis. Ce jour-là même, là, j'avais bu. Et puis, on s'est assis. Tu dis, on fait un plan. Genre, j'enregistre, on fait se disputer. Et puis, genre, j'ai balancé ça après ma vidéo. Tu sais que tu mens, personne ne t'a fait proposition. Dernièrement, tu t'es levé comme ça. Nous deux, c'est nous, on a concocté ça. Tu mens pourquoi? Tu mens. Ce moment-là, tu devais faire un son avec Team de Boy. C'est moi, je t'ai donné 200 000 pour le studio. Dernièrement, si Team de Boy est là, ils vont confirmer que dans cet temps, tu allais faire featuring avec eux. Mais je n'ai pas voulu te donner l'argent encore pour continuer. Sinon, dernièrement, tu étais au studio à Yopougon. Tu allais avec Team de Boy. Tu allais faire un concert. Et je dis concert. Tu allais faire un son. Comment dis-moi? Pourquoi tu mens sur moi? Dis-moi, le monsieur. Non, dis-moi. Pourquoi tu mens sur moi? On va pas écouter. Mais ils vont tout voir aujourd'hui. Tout est notre vocal, ils vont tout écouter. Je vais commencer par ça. Ça, c'était quoi? Que je paye leur cousin et puis leur cousin même avec et il n'arrive plus à causer les vieilles et il a peur donc Lucie maintenant qui cause avec la vieille et puis nous fait les cires. Ça va pas devenir comme ça, voilà. Donc quand c'est comme ça, demain toi même tu viens, tu as payé devant, tu vas causer avec eux, tu as payé ça. C'est mieux pour bien. Et là, il n'est même pas l'appétit, il n'est même pas la tête, même pas manger. Il n'est pas la tête, même à manger. Tout ce qui est mon problème, là, c'est ça, tu vois. D'ici là, tu m'avais dit que tu allais me faire signe. Tu m'avais fait signe. Hein? T'as pas le temps, moi, il connaît. Mais il n'était pas en mode de pousser, il n'était pas fatigué. D'ici là, il attend toujours. Hein? Mais demain, là, pardon. Pardon, ouais. Faut pas mettre dans Paris, pardon. Faut pas mettre dans Paris. Pas dit, tu m'as appelé après, demain là. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Ton quotidien est bloqué. Je vais faire défiler ton autre vocal une à une et je vais commenter. Là, tu es en train de me demander pardon pour que je vienne payer ta maison dernièrement quand j'ai donné les 500 000. Mais bon. Quand tu dis bloqué à fond. Là, ça c'était le 21. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au moins que Dieu te bénisse pour ça. Merci beaucoup. Tout ce que tu fais là, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Et moi. Je serai toujours reconnaissant pour tout ce que tu fais parce que ce soit pour la vieille, que ce soit pour Bob,
première cause concernant ça d'abord. Tu es en train de me dire tout ce que je fais pour Tamon, tout ce que je fais pour Bouba. Tu es toujours reconnaissant. Tu faisais quoi hier dans live? Dieu, il faut changer. Il est temps pour toi de changer. Il est temps pour toi de changer. Tu as fait du mal à trop de gens. Moi, je n'ai pas écouté les gens. Chacun m'a dit, tous ceux qui me voyaient, toi, m'ont dit. Je n'ai pas écouté quelqu'un. C'est mon tour aujourd'hui. Tu as fait du mal à beaucoup de gens. Mais moi, franchement, hier, ton intervention m'a libéré. Ne pense pas que tu m'as fait du mal. J'ai très bien dormi. Parce que j'ai en fait su qui était derrière toutes ces manigances avec ma photo sur les pages. Jay, Arafat a dit tu es maudit. Tu veux te rappeler encore? Si moi tu me fais ça, si tu viens devant tout le monde venir parler de ta mère au lieu de l'honorer, tu es maudit. Ta propre grand-mère qui a mis ton père au monde, la vieille là pour moi, si allait lui demander. Il y a eu des histoires, tu as fait arrêter ta grand-mère par la PJ. Si je mens, sors, reste de l'eau. Il faut jurer sur tout ce que tu as de plus cher. Tu as envoyé la femme qui a porté ton père dans son ventre pendant 9 mois à la PJ. Ils l'ont mis à genoux. Ta tante qui est en Italie qui a été obligée d'envoyer 1 million pour que sa maman puisse être libérée. Sors, viens là et pour dire c'est faux. Ta pauvre grand-mère. Tu es maudit. Moi si tu me fais ça, est-ce que ça m'étonne? Tu es maudit. Tu es maudit. Quand vous êtes là, vous faites les lives. Il y a un problème profond de famille, mais qu'on ne peut pas expliquer. Le problème profond, là, tu as fait arrêter ta grand-mère. Ils l'ont fait rentrer dans la cour de la PJ. Tu as pris l'argent. Tu sais. Tu sais très bien. Tu sais très bien. Tu ne vas pas changer maintenant. Tu ne vas pas arrêter de faire du mal aux gens. Pourquoi tout le monde t'a tourné le dos? Tu as du talent. Tu as du talent. On était à la maison, au Nouveau Chu. Il y a un jeune qui a quitté en France. Tu es parti le Mougou parce qu'il devait faire passer ton son sur Trice. Je t'ai attrapé, tu as fait tes aveux. Ce jour-là, il pleuvait, mais je t'ai enregistré. Quand il est venu t'envoyer iPhone 6, avec parfum, en sentant la façon dont tu sentais bon dans la maison, là. Tout, je lui ai dit, tu sens bon, hein? C'est ton danseur qui m'a appelé pour t'écouter, pour dire, j'ai beaucoup de gars, là. C'est lui qui dit, va faire passer notre son. Mais le gars, l'endroit, c'est pas un flotteur. Aujourd'hui, là. Non, c'est où ça? Quand tu viens t'asseoir sur la toile, moi, si tu n'es pas garçon, c'est moi, là, je te couvre. Quand tu vois ici, plutôt qu'il n'est pas dehors, c'est moi, là, je suis ta couverture. Tout tes malheurs, là, c'est moi, je te couvre. Jusqu'aujourd'hui, quand tu as un problème, il n'y a pas de tonton. Et j'ai de la peine pour Ahmed. Hier, Ahmed est monté dans un live pour me torpiller. Ça me fait pas mal, parce que c'est vous. Mais le manipulateur dans tout ça, c'est ton oncle Solo. Dans les lives, là, c'est lui le manipulateur dans tout ça. Tout ça. C'est lui. C'est lui qui dit, il est tout le papa de la famille. Mais il travaille pas même, il se cherche comme toi. Ahmed est monté dans live pour venir me torpiller. Comme quoi, je lui ai fait des avances. Je sais qu'il a fini ça même, je vous l'avais compris, il a dit des choses. Mais je sais qu'Ahmed a fini ça même, je sais qu'il n'a pas bien dormi hier là. Ahmed est toujours chez moi. Ahmed est toujours chez moi à la maison. Toujours à la maison. Dans ces temps-là, Ahmed a arrêté de venir à la maison. Parce que vous êtes en train de préparer quelque chose. Quand Ahmed a mis sa fille au monde, voilà, décembre dernier, il est venu prendre l'argent à la maison pour pouvoir payer les habits de son enfant. Malheureusement pour moi, je ne sais pas pourquoi j'arrive. Après, les je joue le rôle de papa là. Tous vos enfants sont passés sur mes pieds. C'est pour ça que toi, tes manigances vont jamais me faire tomber. Sinon, toi et moi, il n'y a pas grande différence d'âge. Mais je suis ta couverture. C'est moi qui cache ta honte que tu dois avoir en Côte d'Ivoire ici. Mais toi, Ahmed, qu'est-ce qui t'a pris?
Jay, toi qui parles de oncle, Ahmed était parti voler dans une société. Ils l'ont mis au 35e, on devait le déférer. C'est qui est venu attraper les pieds du commissaire là-bas? Il y avait ton oncle. Il y avait un membre de ta famille. C'est qui est venu? Ce jour-là, ce petit-là même, il a la chance. Parce que le jour où on devait déférer, ils ont dit que le camion de ramassage était tombé en panne. C'est dans ce laps de temps-là que j'ai pu faire quelque chose. Pas toi, toi tu étais assis à côté de moi. Tu étais impuissant. C'est moi. Dis pourquoi tu es méchant. Tiens, pourquoi tu es méchant? Pourquoi tu es méchant? Pourquoi tu es méchant? Pourquoi tu es maudit? Toi, tu dis quoi? Bouba quoi? Moi, je sais qu'est-ce Bouba. Tu étais à la maison la semaine dernière. Je t'ai dit, je m'en vais dormir. Tu m'as appelé le 26, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si j'ai la date ici. Mais je vais montrer l'image. Le 26 mai, ça au moins l'image est là. C'était le 23 août. Le 23 août, il y a quelques jours. Tu m'as appelé. Tu m'as dit, ah, je n'ai pas encore mangé, Ryan. J'ai rien à manger depuis le matin. Je t'ai fait dépôt, oui. C'est ton numéro qui est en haut ici. Si les gens voient. Si ils voient le numéro, copiez le numéro, appelez le numéro qui est en haut là. Vous allez voir si c'est pas lui. Regardez la date. C'était le 23 août dernier. Même s'il éteint son téléphone actuellement, là, ils vont mettre ton son répondeur dit j'ai la machine. Vous allez savoir que c'est lui. C'était le 23 août. Voilà, voilà une autre image. Tu m'as dit, Ryan, j'ai pas à manger depuis ce matin. Je t'ai envoyé. Voilà ça, je t'ai envoyé 50 000. Vous pouvez prendre tout votre temps pour faire les captures. Chaka, pourquoi tu es méchant? Pourquoi tu me salis? Parce que Solo t'a mis en tête que je vais prendre Bouba pour te concurrencer. Si ta musique marche plus, ton petit frère peut monter. Deux fois là, dans les familles, là, même si les plus grands, ça va pas, les plus petits, là, il tire la main des autres vers le haut. Pourquoi tu es jaloux? Vous avez appelé l'enfant, vous le poursuivez. Depuis combien de jours je suis là? Je veux mon petit frère. Parce que tu es venu voir l'enfant à la maison pour lui dire, allons faire réunion de famille, Ryan, c'est pas ton sang. Viens, tu vas monter sur les réseaux pour aller dire que Ryan te touche, il te fait les choses. Et vous avez besoin de lui. L'enfant a disparu, il a fui jusqu'aujourd'hui. Tu menaces partout, je veux mon petit frère. Tu sais ce que tu as dit à l'enfant et puis il se cache de toi. Pourquoi Bouba va te cacher, va se cacher de toi? Tu es venu le voir avec Solo. Et comme tu sais que j'ai tout ça, j'ai les waves, j'ai quoi? Tu demandes à l'enfant de prendre le code de mon téléphone. Tu vas venir à la maison, faire semblant de venir me voir. Et puis tu vas supprimer tout comme ça, je n'aurai rien contre toi. Mais Bouba a vécu avec moi. Tu es son grand frère, tu es son sang. Mais il sait ce que j'ai fait pour lui. Dieu, tu es méchant. Tu es méchant. Il faut te ressaisir. Il n'est pas encore trop tard. Tu es allé dans la production du Seigneur Benoît, ça n'a même pas fait 3 mois. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas encore? On ne sait pas. Mais Dieu merci, tu n'es pas venu mentir encore sur le monsieur qui t'a fait des avances. Toi, tu es passé, tu as eu au moins 1000 producteurs encore, tu vois ici. Toi seul, tu passes ici. Tu n'es pas stable, tu es partout. Quand tu finis, tu dis, oh, la personne voulait me mougo, il voulait me faire. Dis, tu es méchant. La nuit, là, je sais qu'après mon live, tu ne vas pas dormir. Je te connais, tu me connais. C'est moi, je fais face à tout ce qui te concerne. Tu es mauvais. Je vais continuer de faire écouter tes notes vocales et puis je vais faire écouter nos appels. Viens avec toi là, on fait tout pour eux. Oh.
Voilà, je vous débattais. Le jour du baptême de l'enfant d'Ahmed. Le jour du baptême de l'enfant d'Ahmed. Ahmed qui est venu dit, je lui ai fait des avances. C'est moi, j'étais assis là-bas, comme était son papa. J'étais à côté de sa maman, j'étais assis en face. Bouba était là, voilà, Bouba en face, en train de danser. Tu sais que c'est récent. Ahmed, tu as téléguidé pour venir mentir sur moi hier. Ahmed, mon père, même quand il mentait, on sentait qu'il mentait. Je t'ai fait quoi? Deux jours, là, toi et moi, on n'a fait pas la vie. Pourquoi tu viens te dévoiler aux gens? Tu mens entre nous, là, ça t'arrache pas. Tu viens mentir aux yeux du monde. Tout le monde n'a qu'à savoir que tu es menteur. Entre nous, moi, c'est que tu es un grand menteur. Mais tu t'en vas devant tout le monde. Tu sais que toi, là, t'es là en coupant. Toi, tu es un mauvais fond. Donc, tu te demandes d'enlever la caméra. Pour faire ta scène à côté, ben, si c'est tes yeux dans les yeux, tu ne peux pas pleurer devant les gens. Tu es un comédien, mais si tu as des talents d'acteur comme ça, pourquoi tu veux forcément faire la musique? Va chanter! Va faire les films! Toi, c'est quand toi tu pleures. Tu es maudit. Hein. Ouais, c'est le mot, hein. C'est plus tu es mauvais, tu es maudit. Adam, mon wifi a un problème d'un. Un wag. Non, c'est chez lui. Je suis mélangé un peu dans mes dossiers. Voilà son enfant et moi. Voilà son bébé. Ça, c'était à la maison. D'après lui, il est venu, avec sa fille, elle est venue voir son grand-père. Maria. Maria. C'est quoi ça, quoi? Ah, sa mère qui parle en bas à son bébé. C'est quoi, Nance? Quand tu te lèves et que tu dis aux gens, ma maman a donné notre petit frère à ce monsieur. Pendant que toi et moi, on communique tous les jours, jusqu'à la semaine dernière, on n'avait pas d'histoire. Bébé DJ, hé, hey, Chaka, tu es menteur. Il faut changer. Tu es menteur. Tu as beaucoup de dossiers sales dans ma main. Je m'abstiens. Pour le moment, c'était de prouver aux gens que jusqu'à aujourd'hui, toi et moi, on n'a pas de problème. Jusqu'à ce que tu sortes hier, on n'avait pas de problème. Il faut changer. Il faut aller demander pardon à ta maman pour ce que tu as fait hier. Évite de mentir. J'étais dans les lives. Il y a le barbier. Je suis garçon. Tu n'es personne. Parce que si je ne suis pas là, tu n'es personne. Mais ton petit frère est parti maintenant. Ouba est parti. Mais retiens ce que je vais te dire. Le jour où je vois un membre de ta famille, même si c'est ton petit frère ou qui que ce soit, j'appelle la police. Je ne veux plus vous voir. Tu as déjà fait beaucoup, je ne veux plus vous voir. Jamais. Toi, mais je ne veux plus te voir. Et je mets tout le monde à témoin que toi, tu avais dit chez moi. On se connaît. Tu ne connais pas la honte, tu es né après la honte. Mais je ne veux plus vous voir. Le jour où je te vois chez moi, j'appelle la police. Le jour où je vois ton frère chez moi, j'appelle la police. Tu es un mythomane. Et la cagnotte là, je vais contribuer aussi. Pour qu'on te fasse voir un psychiatre. Le 2 mai, voilà. Voilà tes messages. Tes messages récents. Comment tu vois qu'elle te fuit? Comme je ne suis pas un type de live pour dire j'organise les dossiers.
je mets ci, je mets ça. Mais sache que, en résumé, je n'ai jamais séquestré ton petit frère. Tout ce qu'on fait, c'est avec l'accord de ta maman. Toi et moi, on s'entend sur tout ce qu'on doit faire concernant Booba. Tu es venu me mentir. Je vais sortir nos appels. Booba, lui, il faut que je trouve la solution. Mais je ne compte pas laisser ma maison de... Ma maison où tu connais, là. Voilà, je ne compte pas laisser passer. Deux fois, je vais devoir faire des courses à Bijan. Donc, je ne vais pas dormir à l'hôtel ou bien... C'est la semaine passée, on causait. Je ne vais pas libérer cette maison-là. Donc, concernant Booba, Booba lui va rester. On causait pas hier, dimanche dernier. Bah, il dit, oula, ça n'a pas marché. Tu en penses quoi? Il a coupé au moins il en pose là. Il a coupé au comme. Il a coupé. Il en pose, hein, il en pose. Il en pose depuis là, je sais pas. En tout cas, la pauvreté de. Il a pris une vociférée de menacer, d'intimider. Et de mentir et de venir parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec tout ce qui a été dit hier. Et puis, ce que je comprends là aussi, là, c'est qu'il y a l'argent dans Bodade, on peut jeter l'argent comme ça, c'est son ami garçon. Je t'ai dit 500 000. Ah non, yeah! Voilà, ça dit. Ton ami nous garçon, autres, ton là, enfant. On jette pas l'argent comme ça, c'est nous, j'ai mal au cœur. Ton mais enfant, non, c'est que moi, je suis avec mon sorcier.
Caleçon, je suis mon sorcier. Oh, Sikio, pourquoi tu n'aimes pas les femmes? Pourquoi tu n'aimes pas les femmes? Ton soi-disant enfant que tu es en train de... Bien tassé! Nous, même nos enfants, nos propres enfants, là, on ne leur donne pas l'argent à tout va comme ça. Bien pédé! Ouais. On dit, moi, j'ai dit, est-ce que tu sais que le décompte même de l'argent, là, j'ai l'impression que, genre, c'est moi, je suis en train de genre, blaguer mon gars qui m'envoie des sous seulement. Et c'est comme ça que j'ai vu la chose. Non, ouais. Ce monsieur-là. Non, Yéli, il y a mal au cœur. Mais dis donc, tu m'as appelé. Vous êtes en couple, là. Nous qui ne sommes pas en couple, on dit quoi maintenant? Hein? Quoi, attends, la gueule a fait ici. Jean, tu crois que vous avez fait bim, quoi? Vous croyez que vous avez fait bim? Il avait dit, c'est quoi dans le live là? Bloquez-le, c'est mieux. Au contraire. Non, il n'est pas resté, il n'est pas resté. Il n'est pas resté. Il croit qu'ils ont fait bim. Vous croyez que vous avez fait bim? Mon petit bipolaire, on s'attendait à ça. On s'attendait à ça. Donc, en aucun moi-même, hier, j'ai prévenu le bébé dit, viens, dis, hé, va porter plainte en même temps. Pour que tu sois le premier à arriver. Non, mais après, il y a les gens. Il n'y avait tellement rien de concret, bien au contraire. En tout cas, bon, je sais, il n'y a rien de concret. Rien. Il parlait d'une vieille dame. La vieille dame, elle est plus. La vieille dame, c'est une femme. Elle n'a pas pris son derrière. C'est lui qui a boule, la femme. Il est sorti. Sa sortie était pour intimider. C'est pour ça qu'il a dit que si tu es garçon, il faut sortir. Parce que effectivement. Voilà. Il est venu l'intimider le petit, c'est tout. Parce qu'il sait qu'il y a une plainte en cours. Elle a poussé le petit d'aller porter plainte. Vous pensez que le et puis aussi, là, ce que je peux comprendre aussi, là, ce que moi j'ai pu retenir de sa sortie, là, non, ce que moi j'ai pu retenir de sa sortie, c'est qu'apparemment, il y a vraiment de réels sentiments. Il avait mal, à peine, même si le gars me voulait qu'on appelle ça dénigrer le petit. Tu vois un peu, non? Même quand il parlait, là, il sait que tu n'es pas comme cela. Tu sais qu'il a mal. Il avait mal, en tout cas, il avait mal. On doit aller go. Et puis, en fait, là, après, vous savez la partie que je n'ai pas compris? La partie que je n'ai pas compris, c'est, il dit quoi? Que tu es parti Mungu le gars, genre le Bengis, je suis parti vous surprendre. À quelle heure tu suis ton enfant? Tu suis ton enfant et quand jusqu'à partir tu le surprendre en train de Mungu au fait. En fait, j'ai aussi su son enfant. Le fait de ou bien sorti avec une vieille dame, bonsoir, là, quelle était l'importance? Bonsoir. Glacla, mets ton grand, vas-y bébé derrière Robert. Est-ce que vous avez fait attention là où il discutait avec bébé DJ et bébé DJ lui disait que son frère a 17 ans et puis dit non, son frère n'a pas 17 ans. Est-ce que vous avez enregistré cette partie là? Non, moi j'ai pas enregistré ça. Non, c'est trop lourd pour moi. Chaque jour, c'est quoi il y a. On n'a pas enregistré, mais on a bien entendu. Et puis même la partie. Parce que lui, là, c'est un bloqueur. Écoute, il y a une partie où le bébé DJ dit quoi? Moi, j'ai bloqué quoi? Montre-moi la preuve là. La partie, il ne continue pas l'audio. Il coupe. C'est-à-dire qu'il a bien sélectionné quoi? Oui, je ne suis pas Paris. Donc, je n'ai pas pris le temps. C'est pour ça qu'il a bien sélectionné. Le but de son live, c'était de dénigrer le bébé DJ. Voilà. Même il n'a rien dit de bon, mais lui il n'a rien dit de bon. Même quand le bébé DJ a parlé de son frère, là, le bébé DJ dit que lui seul il peut pas prendre la décision, que la décision revienne à sa maman, que parce que son frère c'est un mineur. Lui là, mais il n'a rien dit, il s'est condamné beaucoup de. Dans fait, en tout cas, il s'est condamné là, même. Le décryptage de ça là, en tout cas, il va sentir ça. Il aurait dû rester encore plus dans le silence et puis après si, parce que là, au lieu de le dédouaner, est-ce que tu sais qu'il est venu dans l'intention de faire passer bébé DJ pour un ingrat et que lui, il a tout fait pour la famille, il a tout fait pour bébé DJ, que tout ce que bébé DJ venait lui demander, il lui donnait tout et tout. Et qu'aujourd'hui, pour le remercier, c'est comme ça, bébé DJ vient l'exposer. Cette victime, en fait, quand la première fois, t'es malade, ce monsieur-là, il est malade même. On peut tout faire pour quelqu'un comme cela, on peut tout faire. Excusez-moi, je ne sais pas si vous avez remarqué que tout ce qu'il a dit là, c'est pareil avec ce que Yann disait le matin. Exactement. Il n'y a pas de différence. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Excusez-moi, moi j'étais en train de regarder le live de Ryan tout à l'heure là également. Bon, tout le monde, j'ai seulement une question à poser. Sur le jour où vous avez la possibilité de poser la question à Ryan, demandez-lui. Parce qu'on a tous cette curiosité-là. Il n'est pas parenté avec les gars.
Mais sur la base de quoi il leur remet de l'argent à chaque fois? Nous tous même, il y a vraiment envie. On veut lui poser. Voilà. Nous tous, on veut lui poser la question. Donc, le tu le vois là. Nous tous, on fait rien. Puis les diens n'ont pas dû poser la question. C'est la question que moi je me pose. Parce que je n'ai pas avoir des parents moi-même, connaissant les difficultés de la vie. Et puis, quelqu'un qui n'est pas parental à moi, qui dit, je n'ai rien à voir avec la personne. Au fait, à chaque fois que la personne me contacte pour de l'argent, je lui donne toujours de l'argent. Mais sur la base de quoi tu donnes de l'argent à cette personne? Sur la base de quoi tu donnes de l'argent à cette personne? Tu m'as dit, tu n'as pas mangé. Si il y a une partie que je ne supporte pas là, les filles, où il dit que bébé dit, il n'a pas mangé, et puis il a fait des coups. C'est comme une fois là. C'est une gentillesse à double tranchant. Faut écouter. Quand toi tu dis à ton chéri, j'ai faim, je n'ai pas mangé, est-ce que tu reçois 500 000? Ah, chérie. Il envoie, il dit 50 000. C'est comme si même est trop. C'est ça qu'elle a. Moi, je ne supporte pas. Il y a l'argent de l'autre côté aussi. Il est comme pourquoi tous les enfants d'Afrique. Il y a un enfant dans mon cul aussi. Tous les enfants d'Abidjan. Une gentillesse empoisonnée suivie d'un dragage. Pas possible. Même moi-même là, je suis une go là. Ou bien un garçon. Le garçon vient me draguer. Et puis, je ne vais pas aller le garçon. Mais les autres garçons, là, il y a toujours soutiré dedans. Même si c'est ça que je ne vais pas lui donner mon trou. C'est le point qu'elle a. Je sais que tu es fort de moi. Donc, je veux bien sucer ton argent. Tu es dans l'âge, tu écoutes live. En tout cas, 500 000. Hey, c'est comme quand pour manger. Oh. Mais est-ce que tu as écouté la fin de son live? Il a menacé bébé DJ. J'ai vu. Il a menacé. Et puis la menace, c'est pour dire que fermez vos gueules. Ne posez aucune action. Parce que si vous êtes un petit frère, viens vers moi là. Je vais mettre la police comme vous avez fait à fond à contre moi là. Confrontation contre moi sur Internet. Vous avez voulu me dévoiler là. Je veux vous fermer dans tous les sens. Tous les robinets seront fermés. Vous allez être miséreux. C'est ce qu'il est en train de dire. Pour que les jeunes continuent de fermer leur bouche. Pour que les jeunes ne fassent pas d'action qui vont le mettre à terre. C'est ce que moi j'ai compris dans son live là. C'est tout. Par exemple, il a fait la paix là. C'est là, c'est ça que Ryan venait dire. Pour après, il a fait 30 minutes de live à parler. Et puis à la paix là. C'est que lui-même il est là. Il a compris. Et puis c'est bizarre. Comment bébé DJ va laisser série d'Ocas parler pour une vieille de 60 ans? Non, mais. Le live là. Pas de son live là. C'est un pervers narcissique. C'est comme ça un pervers narcissique agit. Oh, tu as vu, ça fait ici, hein. Je t'ai bien vu dans son live là-bas. Vos bêtises, vous êtes dedans. Vous croyez que c'est nous? Vous croyez que nous on est bêtes? Vous croyez que c'est notre premier combat? Vous croyez que nous sommes les affamés qui sont là derrière vous, derrière Ryan, en train de quémander 10 000, 20 000, 50 000? Quand j'ai calculé son argent là-même, là, premier, c'était 100 000. Deuxième, c'était 6 000 de trucs pour l'accouchement de la soeur de BVG. Troisième, c'était 100 000 encore. Quatre, c'était 50 000. C'est tout ce qu'il a. Et plus les trousseaux de bébés qu'il a fait là. Et puis promesse de propulser bébé DJ en tant qu'artiste là. Donc, comment ça, qu'est-ce qu'il a déposé? C'est donc tout ce qu'il a parlé là, c'est qu'il a déposé, c'est ce que j'ai compté. Ça ne vaut même pas 10 millions. Donc, il fait sa grande gueule de paix. Il a 500 000 de maison. Il a donné 500 000 pour que le bébé DJ règle sa maison. N'importe quoi. 500 000. Bébé, ça ne vaut pas 1 million. Ça va tout dire. En fait, là, non. Le gars, là, il est venu juste pour les intimider. Parce que sa sortie, là, il n'a tellement rien dit de bon, bien au contraire. Bien au contraire. Ceux qui pouvaient comprendre, là, ont compris. Ceux qui pouvaient comprendre, ont compris, au fait. Parce que tu ne peux pas aussi t'impliquer dans une famille, prendre en charge les voisins, les cousins, les neveux, les oncles. Tu dis, quand elle sortit, tu fais monter qui? 6, 13, 452. Ok, attends, je descends, je lui laisse ma place. Ok. J'ai remarqué ce profil là. Je veux voir ce qu'il a dit. Ça fait plusieurs fois que je remarque. Oui, c'est bonsoir. Bonsoir tout le monde. Moi j'avais une question par rapport à l'argumentation de Ryan en fait. La première fois qu'il est monté sur le panel de Mado, il a fait comprendre que il est le tuteur légal
du petit frère de Bébé Oui, DJ. oui, oui. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, il dit dans son live que le petit a disparu, en fait? Donc, c'est qu'à la base, il a menti, il n'a jamais été le tuteur légal de l'enfant. Donc, tout ce qu'il raconte, ce sont des balivernes, en fait. Mais on sait ça, tout ça, la matière ici. Il ne faut plus jamais aller chez lui là-bas, sinon on va le mettre en prison. Et puis, qu'est-ce pour que l'enfant n'est plus chez lui? C'est ça aussi, au fait. Parce que l'enfant aussi ne peut pas sortir pour venir dire non. Mais si la dette, moi Effectivement. j'ai Qu'est-ce pensé à pour que ça, l'enfant n'est plus chez lui? mais chez lui. Ce sont les frappes, Non. sans, le, il a couché, ce sont les frappes. Qu'est-ce pour que l'enfant n'est plus là-bas? Il est Ça veut là-bas. juste me venir dire non, il n'est plus chez moi, il n'est plus chez moi. Mais pourquoi tu peux libérer un enfant dont tu as la garde, dont tu as le tuteur légal? Pourquoi Donc, tu peux le libérer? que tu as appris que tu as adopté. Tu as adopté cet enfant depuis Tu te rappelles, non? Tu te une semaine. rappelles? Je l'ai Quand j'ai posé adopté. la question là-bas, là, il dit oui, qu'il a adopté. Parce que j'ai dit, en tant que qui tu fais ça? Est-ce que c'est toi, tu as la garde des enfants? Il dit oui, il a adopté. Maintenant, pourquoi tu mets ton enfant dehors? Pourquoi? Juridiquement, là, tu as Si plein un de pouvoir tes sur lui. petits frères, si Bouba même vient chez moi encore, je vais mettre la police sur vous. Ah, tu l'as plus adopté. Vous mettez Vraiment. la police par rapport parce que tu es en train d'être dévoilé, parce que ton derrière va tomber. Tu l'as renié pourquoi? Pourquoi les renier? Tu les as adoptés, non? De façon légale, tout est fait propre. Pourquoi est-ce que tu veux renier Bouba? Mais ne renie pas Bouba. Au bosse ici. Et Pas moi, je pense même pédo, pas national. où il allait s'asseoir aujourd'hui là. Ça doit être la maison d'une autorité en Côte d'Ivoire là-bas. Ça doit être la Non, maison non, 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 non. Non, il non. a dit les temps, je ne sais pas dans Il est quoi. à l'intérieur du pays, non? Il a Il est dit à qu'il est au l'intérieur. village, dans son champ. Est-ce que vous avez vu la maison dans laquelle il était assis? Mon C'est cher, comment? il est dans son La champ. maison est comment? Il y a la D'accord. maison comme ça à l'intérieur, plus C'est à jolie que ça. Giglo. Il est de Giglo, en fait. Ils ont une grande maison à Giglo. Y a la maison plus jolie que ça à l'intérieur. La Côte d'Ivoire est belle, hein? Moi, ce qui m'intrigue, c'est qu'il dit qu'il prend les enfants là comme ses propres enfants. Mais combien de parents enregistrent leurs enfants? C'est la question que je me pose. Moi, j'ai deux grands garçons. Quand mon enfant me demande quelque chose, mais mon enfant communique avec moi, je ne l'enregistre pas. Pourquoi vais-je enregistrer mon enfant? C'est dans quel but? Qu'est-ce que je vais faire avec les enregistrements plus tard? C'est la question qui me fatigue depuis, hein, dans votre affaire là. Il a tous les enregistrements, je ne comprends rien. Attendez, attendez, il y a Oubliez beaucoup plus. Je suis le tout ce de seul parent qui ne suivre. fait pas ça. Il faut mettre, pardon, s'il te plaît, on veut écouter ce que Poki s'en fait là-bas. Qui, Boris? Poki. C'est Mada là-bas. Ce qui vient de se passer là, ça s'est passé devant 3000 personnes. Moi, j'étais dans le live. Dès qu'il a lancé là, j'étais le premier à rentrer dans le live. Je suis resté quand la fin. C'est la vie qui a été étalée. C'est ça. Vous savez, c'est pour ça là. Hein? Quelqu'un qui a blessé un artiste qui a fait tout ça, parce que c'est pas nouveau. Mais on parlait de ce petit truc là. Les gens posaient des questions en commentaire. Est-ce que tu as. Donc, actuellement, là, ce que moi, j'essaie de comprendre là, c'est qu'il a dit dans son live que il sait qu'Ahmed a été, comment on appelle ça? Tous ceux qui sont allés m'appeler, hein. Et ça qui Ahmed a été Attendez, il y a l'homme de Bébé DJ qui va monter, excusez-moi. Il va monter, il va. Il va la place, Mado, merci. Voilà. Et merci à nous. Merci, mon bébé. Voilà. Moi, je veux savoir si Booba. En fait, le combat, c'est de récupérer Booba. Mais je veux savoir si Booba est rentré à la maison, oui ou non. Après, le combat de qui l'amour ou les petits garçons, ça, c'est le combat des autres personnes là-bas, je m'en mêle pas. Parce que chacun son combat. Tant qu'on arrive à faire rentrer Booba à la maison, c'est ça le truc, en fait. Pour que l'histoire arrête. S'arrête. Ceux qui veulent défendre eux et tout ça, là, comme je n'étais pas là-bas quand ça a commencé, je laisse ça dans la main des autres là-bas. Elles ont qu'à ramener leurs preuves et puis gérer ce dossier. Moi, je suis là pour gérer ce de BDJ pour que l'histoire s'arrête. Parce que ce que j'ai vu ce soir, je ne suis pas contente. Voilà. Je ne suis pas contente même. Parce que c'est une honte comme pas possible pour BDJ. Je ne suis pas contente. Donc, rien ne va monter. On va tous parler dans la paix du Seigneur. Il va nous expliquer. C'est quoi tout ça? Et si Booba est parti, parce qu'il a dit Booba est parti où? Est-ce que Booba est rentré chez ses parents? Son oncle est là? Voilà. Parce que quand. Bon. Solo, monsieur Solo, on vous écoute, s'il vous plaît.
Mais moi, il n'y a pas encore fini, même. Ah, vas-y, il faut que encore fini sur le point. Tonton, attendez, s'il vous plaît. Voilà. Ce qu'ils ont fini. Pardon, tonton. Laisse-moi terminer ce qu'elle disait. Merci. Donc, j'étais en train de dire que. On est parti sur la logique d'une chose. Ok. Mais t'entends la vie. Là, la vie est allée à feuille. Voici ce que je faisais. Voici ce que... Avec les preuves, moi, je suis d'accord avec ça. Moi, j'étais pas, vécu avec, avec tout ce temps, moi, j'étais pas avec eux, et tout ça là. Moi, j'étais pas ici, pas de moi, de mon coin. Maintenant, dans, je disais que, Ahmed, il a dit que Ahmed disait que, après avoir fait ça, Ahmed, même, c'était tellement, est parti regretter quelque part là-bas, ou, nanana. Moi aussi, j'ai dit, parce que moi, je suis, moi, là, il est tout pas autour du toit. Dis-moi, il a dit que, ah, moi, j'étais parti avec lui aussi, moi, là, il m'a fait des avances aussi. Mais c'est des avances, là, on est en train de parler. Est-ce que, il t'a fait, le gars, t'as fait des avances, oui ou non? Moi, j'ai dit ça hier. Si vous voulez la commencer à enregistrer, non, tout hier, il a dit ça. Et dis-moi, il m'a fait des avances sur ce qu'il a refusé. Hier, j'ai dit que moi, il m'a fait des avances. Il m'a fait des avances que j'ai refusées. Mais les avances, là, moi, quand j'ai parlé, j'ai pas dit, j'ai précisé encore, j'ai dit que moi, j'étais pas mineur. Tous ceux qui sont dans les commentaires qui m'ont entendu, ils savent que j'ai dit ça. J'ai dit, moi, quand il m'a fait mes avances, là, j'étais pas mineur. Mais lui, il dit que ça, là, il rentre pas dans ça. Moi, j'étais majeur. Donc, quelqu'un qui vient te donner ses sentiments, là, qu'il soit femme ou garçon, ce sont ses sentiments. C'est pas mauvais de venir dire à quelqu'un, voilà mes sentiments, mais moi, en tant que personne majeure, là. Si j'étais mineur qui venait faire ça, ça c'est un autre délit. J'étais majeur déjà, quand il est venu me faire ses avances, j'ai refusé. Donc quand on dit que ah, c'est qu'Ahmed est venu dire que c'était un complot, nanana, tout ça là. Ça veut dire que, vous savez que moi mon nom n'est pas sorti là-bas, hein, depuis ce truc là. Moi il n'a pas dit que ce que moi dis c'est faux aussi. Hein. Et parce qu'il s'est concentré sur son gars, sur Dieu, mais tout ça, moi j'étais pas prêt de dire en fait. Si moi j'étais prêt de dire là, je peux te jurer sur la tête de mon père que tout ça, ça n'arrivait pas comme ça. Hein. Non, parce qu'il n'allait pas faire ce genre de truc là. Il n'allait pas faire, s'il fallait qu'on y mette ensemble là, on allait y mettre ensemble, qu'on allait trouver, pour dormir. Puis ce qu'on allait faire, Parce que lui et moi là, c'est qu'il n'ose pas dire à tout le monde là. Il me dit ça, moi seul. Et puis là, dès qu'un cousin en parle, la copine, on appelle ça. Oui. Il n'a pas, moi, il est sorti à lui. Et puis vous comprenez que là, c'est pas lui qui est. C'est sorti avec lui. Parce que depuis que j'ai entendu faire votre truc là, on dit tu prends. Focus, t'es sorti avec lui. Focus, c'est qu'est-ce qu'il a dit là. Actuellement, on est derrière tout. Il a dit. Je suis en train de dire que c'est pas lui qui sort avec les gens, c'est lui en sort. Depuis dans les commentaires, les gens sont allés dire il prend pas plus de quelqu'un. Voilà, moi, les avances qu'il m'a faites là, c'est pas des avances pour prendre mon derrière, c'est des avances parce que moi, il prend son derrière. Et c'est pas pour les autres, hein. Moi, ça a été seulement les avances qu'il m'a faites. Maintenant, il a dit que l'enfant de Dieu qu'il a montré là, il dit que l'enfant de Dieu, c'est comme on appelle ça, il a fait ça à sa cousine, mais c'est faux, c'est comme s'il est en train de dire que Dieu a fait l'inceste. Elle est dans le live ici, elle s'appelle Karine Obou, c'est jamais sa cousine. Depuis quand Karine Obou est la cousine de Dieu, elle n'est jamais sa cousine. Oui. Moi, il m'attendait, moi, depuis la je continue de l'aider, si ça commence à taguer moi, parce que moi, je pensais que vous allez chercher, vous allez trouver. Moi, je ne peux pas donner tout en même temps. Hein. Oui, dans le... Non, bien sûr. Je pensais que dans le live, vous êtes venu dire que tant. Voilà, vous êtes venu dire que, ah, moi, quand il a fait des avances, attends, c'est faux. Vous, c'est ça qu'il attendait, quoi. C'est faux. Et puis, il nous laissait monter, mais on discutait. C'est faux, tant, on quittait là. Mais venir dire que Dieu est trop ça, moi, ça me fait très mal, hein. Ça me fait mal passer la vie de mon frère qui a été mis devant 3000 personnes. On dit que c'est avec les preuves. Oui, mais quelqu'un qui a fait là, il va t'écrire pour te demander le Dieu. Maintenant, il y a quel rapport entre vous deux pour que lui puisse se demander Dieu quand pour toi, à chaque fois, tu. Plus de LS. Pour déjà plus. C'est quoi la nature de vos relations là? Pour que toi, tu puisses lui donner les 500, les 30. Il y a eu quoi? Puis lui, ça dit que tu es devenu comme un papa, tu es devenu tout. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que tu nous dis. Mais tout ça va dire, non, tu peux voir les preuves là. Je suppose. Je suppose. Oui, tu envoies les 500 000. Tu donnes les 100 000 d'attente de lui. Tu dis que ah, c'est son papa. Tu es comme son papa. Non. Mais il a un refuge. C'est la seule personne qu'il trouve. Tout le monde, là, c'est bizarre. C'est toi qui trouves. Après, tu es rentré ou quoi? Tu es venu raconter l'histoire d'une maman, histoire avec une maman de. Comment on appelle ça 60 ans, mais 70 ans. Encore, c'est mieux. Moi, je. Encore, c'est un homme, parce que les gens se marient, des gens de 60 ans, de 15, de 18, 20 ans, 21 ans, c'est des majeurs. Donc, encore là même, c'est mieux que ce soit avec une femme que c'est un homme. Maintenant, vous savez, une personne là, quel que soit ce qu'elle est, quel que soit ce qu'elle dit à tout le monde là, elle ne va jamais venir te dire que, en tout cas, moi, dans mon placard là, voici tous les morts, hein, mais il y a un mort, la personne ne va jamais te dire. Et ça, vous tous savez qu'elle est dans ce live là. Voilà, chacun fait ce truc, hein. Mais il y a un truc qui est spécifique que tu peux pas dire ça, c'est entre toi, la chose et Dieu. Donc, moi, là,
Moi, ce volet de entre Ryan et Jay là, qu'est-ce qui est la nature de leur relation pour qu'ils puissent lui donner autant de Jay, pour qu'ils puissent lui donner... C'est quoi là? Ça, je ne sais pas encore. Et c'est ce que moi, je voulais savoir ce soir là. Mais venir l'étaler comme ça, ça m'a fait mal. Parce que ça a été enregistré. C'est une vague qu'elle a là dans 5, 10, 15, 20 ans. Ça va poursuivre toujours mon frère. Partout où passer, le jour où il va descendre en classe, un artiste, un jour, il doit revenir dans la musique. On lui dit, mais toi là, tu as fait. Toi, on a des vidéos ici, on a des preuves. Ouais, ta main, ouais, toi, ton nom, c'était malade. On dit que tu es sorti avec quelqu'un quand son mari est mort après. Mais non, attends. Ça, ça dit autre chose. On s'en va sur un sujet, on se prend. Bon, dans tous les cas, c'est un truc qui est permis. Quand tu sors, tu dis qu'on n'est pas en discours, pourquoi tu veux faire live sur moi? Si on n'est pas en discours, pourquoi il veut faire live sur toi là? Tu ne rentres pas dans tout ça là? Tu es venu en tant que, tu es venu en tant que le plus âgé, le nom, l'autre doit aller en truc comme ça. Se faire traiter parce qu'il est fou et tout. Mais quand tu viens là, tu viens quand même dire que tu as fait un live hier sur moi pour dire que moi, j'ai fait des avances. Mais c'est faux. Voici des preuves que tu n'as pas fait d'avance. C'est ce qu'on attend de toi. Mais quand tu viens, mais quand tu commences à sortir que Ahmed était chez moi, je crois que tu n'as pas entendu. Faut que j'excuse. Putain, le bordel de merde. Attendez, parce que là, il y a Aïcha qui m'appelle en même temps. Tout le monde va se calmer, on va se calmer. Mais je suis en train de parler même là. Oh. Désolé, mais les membres de la famille. Focus, aussi, faut venir ici. Voilà, écrivez merci. Ça dans les commentaires là-bas. Les membres de la famille sont vraiment stupides. Hein. Vous leur avez pas dit ici que faut pas qu'ils aillent là-bas parce que cette madolelle est de mèche avec eux. Qui fait ce bruit là? Okay. Focus, ferme ton micro s'il te plaît. Je vais faire descendre quelqu'un pour que je puisse faire monter Ryan. Excusez-moi. Ryan, écris en commentaire s'il te plaît. On l'a laissé. On les défend, mais ils vont toujours là où on les dénigre. On l'a laissé. Comment on est sur la live de la vieille, mais Glaglov est un fiancé. S'il vous plaît, tapotez. Pardonnez, pas t'as écrit dans live de Mado là que Focus n'a qu'à descendre, n'a qu'à venir chez la vieille avec la glace ici. On va aller doucement, chacun va parler à son tour, d'accord? Et vous, là, ne venez pas dans mon palais. Attendez, s'il vous plaît. Attends, Ryan, attends, s'il te plaît. Ne venez pas dans mon commentaire pour mettre des commentaires bas de course, je vais vous bloquer. Ici. Vous voyez, elle bloque! Elle bloque. Chacun. Mais je ne vais pas écrire là-bas parce que maintenant, on m'a bloqué quelque part même. Allô, qui est monté? Allô, téléphone là-bas, c'est Yann. C'est Yann. Ah, ok. Yann est monté. C'est Yann et qui? Ah, les deux. Maman aussi, parfait. Regardez, elle a coupé la commentaire. Yann se sont montés là-bas. Elle a coupé la commentaire, regardez. Je vais envoyer une invitation. Faut que je ne pas faire ça parce que sinon les gens vont dire que tu as menti. Donc là, on n'est pas là dans ça. C'est Ryan, elle parle avec Ryan comme ça. Focus est là, pardonnez. Moi, je descends. Vous pouvez le faire monter. Moi, je descends. Focus, fais ta demande. Il est en bas, il veut t'écouter en bas. On t'écoute, Ryan, s'il te plaît. Focus, fais ta demande, tu as monté. C'est à cause de lui que je suis monté. Il faut qu'il soit là. Viens ici. Faut pas aller là-bas, viens ici. C'est un panel qui va vous distribuer. On vous parle aussi, vous n'écoutez pas. Il faut qu'il soit là. Merci beaucoup, Focus, reste ici. Reste ici. Là-bas, là, c'est n'importe quoi. C'est panel pour décorer l'image du monsieur. On vous a parlé, on vous parle depuis là. On vous a dit, ce sera une pierre de commentaire. Depuis le début, c'est très fait. C'est pas bon. Vous êtes en train d'écouter ce qu'ils font dans le live. Moi, je suis descendu là-bas parce que j'ai dit qu'il a fini de parler. Il a fini de faire sa vidéo et tout ça. Moi, je ne veux pas venir rentrer dans ça avec lui. On était dans un truc. Soit on a dit qu'il y a eu des avances à notre égard. Tu viens pour dire oui, il y a eu des avances ou pas à notre égard. Ça s'arrête mais là. Attends, mais tu ne viens pas dénoncer la vie. Focus, attends. Attends, toi, mais tu penses qu'il va dire ça? Non,
Non, il faut qu'il ça, c'est non, c'est... toi, tu as tout compris. Il devait sortir pour justifier, mais il n'est pas sorti pour justifier. Il n'a pas dit ça. Il est piégé. Tu n'as pas vu les questions dans les commentaires qu'on lui posait. Il était incapable de répondre à ces questions. Il est rentré dans vos choses. Non, c'est la partie du fin, là, où il vous a menacé, là. Ou même qu'il a menacé la famille de bébé, de la sous-prétesse famille, où il dit qu'il a adopté Booba, là. Où il affirme que si Booba même revient, il va envoyer la police. Là, c'est, nous, c'est la partie là, qu'on a retenue. Parce que tout ce qu'il a dit au départ, là, nous, on a compris que son but, on vous a dit, il y a longtemps, ils ont commencé cette bataille-là. Quand ils ont su que bébé Didi allait sortir, là, ils ont envoyé des trucs. Pardon, son nom, quand on est parlé. Parlez-en, s'il te plaît. Son nom, mon cher. Et tous, ils sont dedans, tchèque. Quel bon oncle même. Je ne suis pas abonné à Solo là-bas. Je ne suis pas abonné à Solo. Moi, je suis descendu de là-bas. C'est pas... J'ai bien envie de retourner là-bas, hein, parce que je veux pas qu'ils pensent que ah pas. Voilà non, parce qu'on a fait des aussi, non je veux aller pour le confronter là écoutez non écoutez 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 moi s'il vous plaît je vais aller dans le live là écoutez moi je vais aller dans le live là parce que où on est arrivé là je peux pas prendre moi c'est en train de me faire mal parce que c'est de mon frère qui parle c'est la vie de mon frère qui l'expose comme ça hein sur les réseaux donc non je vais partir là-bas je vais aller là-bas focus 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 il faut pas t'écouter. Focus. Déjà, calme. Voilà. Allez, écoutez. Peut-être aussi. Maman la guêpe. Soyez pas rhétorique. On sait ce qu'on dit. Vous vous rappelez que. Non, focus. Vous vous rappelez que sur ce même panel de Glagla, là, il y a eu les premières fois où je suis venu, ou quand je suis monté, j'ai défendu Ryan. Vous vous souvenez de ça? Quand le traité de VIOL, j'ai dit que moi, je le connais, que j'ai été avec lui un mois à San Pedro, que ça ne s'est jamais passé comme ça. Ou bien, focus. Je l'ai défendu ici, non? Mais c'est qu'il, ça là, c'est qu'il est en train de faire, c'est pas bien. Il ne peut pas prendre la vie. C'est qu'il faut aller voir le truc. Focus, tu sais. Focus, si tu dois partir là, mais là, c'est une guerre de communication, comme ce que Calisson a dit. Ils vont essayer de te poser les questions juste pour te faire passer pour un menteur. Donc, si tu dis que tu vas vraiment partir là-bas, c'est que tu vas casser les papos. Mais si tu ne vas pas casser les papos là, que tu te vas pour balbutier à côté de l'histoire seulement que de sa sortie par rapport à bébé DJ là, ils vont te poser des questions pour te faire passer pour un menteur. C'est ça le véritable problème. Sur le panel en question là-bas, là. Ce panel-là, elle s'est donnée pour mission de laver ce monsieur-là, de l'innocenter. C'est ça sa mission. Donc si tu dois partir là, va et casse les papiers, mais si tu dois partir, dis non, mon camarade bébé, dis gay, non, lui demande des comptes là. Mais tu vas payer cher de ça. Soit tu restes ici, soit tu vas casser les papiers. Si tu n'as pas cassé les papiers, que tu vas poser des questions, mon camarade tape l'œil. Sinon, tu vas perdre en crédibilité. La guêpe, il va aller là-bas, même, elle va même pas le laisser parler, mais elle va le muter. Effectivement, donc tu ne peux pas parler. Blague, si tu as la preuve, tu casses les preuves. Blague, c'est 6h24-25 là. Je l'ai suivi dans le live de Raya. Moi, je demande, même si tu peux appeler tonton Solo, même, appelle tonton Solo pour qu'il descende le panel. Je peux parler à Focus, je vais parler. Yann, ouvre ton micro. Vas-y, faut le parler, bébé. Vas-y. Non, on n'a qu'à écouter d'abord. Il vient. Il a fermé mon. Non, il est en communication. Ils sont en train de se coordonner là, tu vois. Donc, il ne peut pas. On n'a rien à dire. Focus. Tu dis de se coordonner. Parce que Solo est là-bas seul. Solo n'a pas. Laissez-moi, il veut aller là-bas. C'est qu'il veut dire. Il va aller là-bas. Mais si tu veux pas dire. Non, calmez-vous. Il va revenir. Il va dire qu'on avait raison. Calmez-vous, vous allez voir. Vous avez quitté son cul. Regardez, vous allez voir le film. Les gens sont en train de monter là-bas, tout d'un coup, les casser les papas. C'est ce qu'il dit là. On dit au village des gâtés, et roi. Vous couvrez quoi encore là? Je comprends pas. La guêpe. Oui. Est-ce que il est sorti là? Normalement, il devait sortir pour démentir ce que les jeunes ont dit. Mais lui n'est pas sorti pour démentir. Il est sorti pour parler à Mado là. Attendez, on va écouter. Attendez. On va écouter. Bon, attendez, je vais dire quelque chose. Pardonnez. Black Angel, tu as mon dos ici. Moi, je descends. Faut pas que tu vas descendre. Si tu descends là, il y a personne qui va pouvoir faire monter encore. Ok. Je reviens. Ok. Mais c'est pas Yann qui me convoque. Focus, Kage qui me convoque. C'est Ryan. Faut te calmer. C'est lui qui me convoque. Moi, faut m'envoyer une plainte. Sinon, si c'est une convocation, moi, je suis au travail. Il ne pourrait pas répondre à ta convocation. Voilà. Non, il te convoque pas à la police, il te convoque ici. Mm-hmm. Sur un nouveau micro, tu vois. Mais Yann, tu peux pas faire ça. Cette histoire-là, non, c'est pas possible.
un doit parler, un fuit. Vous êtes tous là-bas, on va finir avec ça. Vous voyez aïe. Pas que tout ça, c'est étrange. Regarde comment il a fui. Il n'a pas fui. Fermez les bêtes. Ryan, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Tonton Solo, faut attendre. On va finir avec cette histoire ce soir. Ryan. Mais Ryan, mais il est en communication. Je suis là, je suis là. Merci. Ryan, tout à l'heure, vous avez fait des affirmations contre Bébé Didier en disant que c'est un passe-partout. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, s'il vous plaît? Je vais vous mettre en grand coup. Bébé Didier est très bien informé, puisque, comme je disais jusqu'à récemment, nous n'avons pas de mauvais rapports. Jusqu'à ce qu'il fasse sa sortie, nous n'avions pas de mauvais rapports. La semaine dernière, il était à la maison avant que je voyage. Il était à la maison, accompagné de son oncle Solo. Tu n'as pas laissé un peu dans cette là. On se connaît bien. Il n'a pas dit qu'il ne va plus monter sur live pour se justifier. Il va faire son live. Lui là, il est mal de payer pour le blanchir. Oui, la semaine dernière, son oncle Solo était à la maison. Aller voir Booba, accompagné de Bébé DJ. Et ils m'ont demandé de venir faire une réunion avec eux à Kumasi pour que Booba puisse dire que je lui fais des attouchements pour pouvoir pour rendre leur dossier plus lourd. C'est comme ça que Booba m'a appelé, moi j'étais à Giglo. Il m'a dit, ah papa, j'ai un Solo et Jay qui sont passés. Ce qu'ils m'ont dit là, c'est grave. Si je te dis, je sais pas, mais je veux pas qu'ils sachent que je t'ai dit parce qu'ils m'ont menacé. Je lui ai dit, dis-moi. C'est comme ça qu'il m'a dit, qu'ils disent de venir à Kumasi, ils ont une grande réunion. Comme ce qu'ils ont fait avec les autres qui sont montés dans les lives hier, parce que c'est une réunion, ils ont fait un complot avec comme cerveau Solo en question, qui est le commanditaire de tout ça. Il sait qu'il est le commanditaire de tout ça. Et c'est comme ça que Booba se cache jusqu'à aujourd'hui. Merci. Monsieur Solo, vous pouvez répondre s'il vous plaît. Est-ce que tu as les preuves de ce que tu dis? Les preuves de ce que je dis, c'est ce que... C'est lui qui affirme que Booba est caché. Tu vas dire, c'est lui qui a caché Booba. M'a dit, et j'écoute et je le crois parce que Booba n'est pas menteur. Donc, sans preuve, cette affirmation n'est pas valable. La preuve, c'est ce que l'enfant a dit et le traumatisme que l'enfant a. Tais-toi, je ne pas. On ne peut pas parler à deux, monsieur Solo, monsieur Mondia. On ne peut pas parler à deux. Monsieur Akissi, pardon. Je dis, tu vois comment tu es immature, monsieur Akissi, et pardon. On parle devant des gens, des personnes matures. Donc, tu vois que tu as le commanditaire de tout ça. Moi, je me suis toujours trompé sur ton Mado. Nom. Mado, parlez un à un, s'il vous plaît. Comme Ryan, s'il te plaît. Fermez vos micros, chacun. Ouais. Chacun ferme son micro, s'il vous plaît. Solo, excusez-moi, monsieur Solo. Monsieur Ryan, excusez-moi. Ici, c'est un panel neutre pour que tout le monde puisse s'exprimer. Donc, on ne peut pas parler à deux. Quand il y a un qui pose une question, l'autre répond. Et moi, là où je suis... Je suis même pressé d'entendre les questions de Focus ce soir. C'est même ça même qui me retient ici sur ce panel, mon propre panel. Donc, monsieur Solo, monsieur Ryan dit vous étiez chez lui la semaine dernière. Vous étiez là-bas, lui ou non? Mais c'est un menteur. C'est qu'il est en train de dire que nous sommes allés manipuler l'enfant pour avoir. Mais c'est un menteur. Il ment. La question est que est-ce que vous étiez chez lui? Est-ce que vous étiez chez lui la semaine dernière, lui ou non? Moi, chez lui, moi je ne connais même pas où il habite. Je ne sais même pas où il habite. D'accord. Je n'ai jamais mis pied chez lui à la maison. Je ne sais même pas où il habite. D'accord. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Ryan, est-ce que vous avez une preuve de ce que vous dites, s'il vous plaît, contre Monsieur Solo Doumbia? Ryan, votre micro, s'il vous plaît. Ryan, votre micro. Monsieur Ryan, est-ce qu'il n'y a pas le téléphone? Allô? Oui, oui là, dit... ton téléphone va se décharger. Concernant ce que vous avez affirmé contre Monsieur Solo, s'il vous plaît. Je n'ai pas de preuve, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'enfant qui m'a informé pendant que j'étais en voyage. Non, t'as dit quoi? Solo et son frère sont venus le voir. D'accord. Lorsque l'enfant a refusé ce qu'il lui proposait, c'est le même Solo qui disait « Ah, ce petit-là, c'est quoi, il est venu lui dire, il va nous trahir. » C'est ce que l'enfant m'a dit. C'est l'enfant, c'est en fonction des dires de l'enfant que... Je m'exprime ici. D'accord. Lui qui enregistre tous les jours, là, il n'a pas enregistré l'enfant, là. Lui qui enregistre tous les étapes des gens, il n'a pas enregistré l'enfant, là. Lui se fout de la vie des gens. Moi, j'avais pas une question à poser à Ryan. J'étais en train de dire que quand Ryan a fait son live, là,
Il a dit hier qu'on a eu, Dieu a eu à parler dans le live de comment on appelle ça, de récupérer son petit frère, de lui a fait des avances. Donc quand il vient faire son live là, c'est de ça qu'il doit parler directement. Mais pourquoi il rentre dans, comment on appelle ça, dans les histoires de bonsoir là. Bonsoir monsieur. Donnez-moi une chose. Excusez-moi, sans fond. Donc, donnez-moi une minute. Hein. Merci. Si son téléphone est déchargé, moi, il peut s'écouter. Il a parlé de la vie, raconte ça, il n'a pas à le faire. Appelle la glace, sinon on va tomber. Pourquoi tu viens faire ça? Pourquoi tu es méchant comme ça? Ok. Viens, t'en pose. Il n'y a pas d'art. Mais tu n'as pas venu, c'est un artiste. Tu sais que c'est un artiste. Tu dis qu'il est maudit et tout ça. Mais devant 3000 personnes, tu viens étaler sa vie quoi, pour dire que c'est un chien. En gros, là, tu es en train de me dire que c'est un chien. Genre, c'est le gars qui a toujours faim. C'est le gars qui est tout en train de. Ah, Ryan, il n'y a pas ça dedans. Quand ils ont lancé le live ici, de comment on appelle ça de quand ils ont lancé le live, de comment on appelle ça, surtout par rapport aux enfants. Quand ils ont lancé le live. Mon téléphone est déchargé, donc quelqu'un n'a qu'à mettre ça. Je peux faire écouter. Moi, je peux faire écouter. Ok, donc faire écouter. Ensemble. Quand ils ont lancé le live des glaglas et tout là. Même hier, on s'est parlé. Si vous montez dans les lives, ils m'ont dit que moi, là, c'est que ici, pète aussi. Tu étais dans le live, je ne sais pas si c'est le live de qui ou tu étais là. Ici, vous montez, puis il a dit que vous êtes en train de parler des VIOL là. Moi, je le connais. Et puis, il a précisé sur la vidéo, vous avez ça. Il a dit, Ryan est qui il est. Cette fois-là, il a dit ça. Il dit, Ryan est qui il est. Mais le côté VIOL, vous.